Moi, je m'appelle Lucie Bouclier, j'ai 22 ans. Je m'appelle Antoine Cavallero, j'ai 22 ans. Je m'appelle Anaïs Julien, j'ai 22 ans. Avant d'arriver dans ce master, j'avais fait un BTS design mode et textile à Tours. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une licence en histoire de l'art ici à Lyon 2. Et je sors d'une licence en communication à l'EFAP Lyon. Et l'année dernière, je fais une année de break à Londres où je fais plusieurs stages en mode. J'ai fait une licence d'information et communication à l'université Lyon 2. L'année dernière, je suis partie en Slovaquie pendant un an, puis j'ai postulé au master en mode et communication et je suis là. J'avais beaucoup bossé l'actualité parce que ce genre d'entretien à la fac surtout s'intéresse beaucoup à l'actualité, voir si t'es au fait un peu de ce qui se passe dans le monde de la mode. J'avais pas vraiment préparé une partie, on va dire, actualité. Je m'étais plus concentré du coup sur moi, sur mon parcours que j'avais eu et sur mes précédentes expériences du coup en entreprise, du coup dans les magazines ou dans des bureaux de presse, pour mettre un peu en avant du coup les compétences que j'avais déjà acquises. J'ai pas préparé l'entretien, j'y suis allée et voilà, je me disais dans ma tête qu'il fallait y croire. Et après, bon bah ton parcours tu le connais, tu sais ce que t'as fait. Le plus important, c'était de mettre en valeur vraiment ce que j'allais apporter à ce master et ce que ce master allait apporter, vraiment l'échange dans mon parcours en fait. Ce que j'ai mis en avant par contre dans l'entretien, c'était mes passions, le fait que j'aimais la photographie, que je faisais des montages vidéo. J'ai aussi joué sur le fait que j'étais partie un an à l'étranger, ce qui m'avait permis de prendre confiance en moi, d'avoir beaucoup d'ambition, etc. Moi, il me manquait beaucoup l'aspect communication que j'avais pas bossé avant. Et du coup, c'était intéressant de mettre ça justement en avant pendant l'entretien. Donc, tu sois sûr de qui tu es, de ce que tu as envie d'être, de tes projets. Tu montres que tu es beaucoup motivé, que tu as beaucoup d'aspirations. Et quand ils vont voir que tu es confiant, que tu es sûr de toi, bah, parce qu'en soi, j'avais aucune culture dans la mode. Et bon, par contre, j'avais ma licence d'information et communication. CV, c'est bien de faire de le bosser sur InDesign, de faire quelque chose de visuel. On est quand même dans un master mode et communication. C'est important de montrer qu'on maîtrise ces outils-là. Et la lettre de motivation, après chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'on nous dit toujours qu'il faut qu'elle ressorte. Il faut montrer vraiment la personnalité. C'est important de faire quelque chose qui n'est pas scolaire. Je pense qu'on est dans un master qui permet aussi cette créativité-là. Je pense que c'est bien de préparer genre un portfolio. Si vous avez eu des précédentes expériences, comme par exemple en tant qu'assistant dans un magazine ou qu'importe, enfin juste préparer vraiment un contenu visuel en plus de votre CV et de votre lettre de motivation. J'ai fait un portfolio, donc j'ai mis toutes les photographies que j'avais faites qui pouvaient être plus ou moins artistiques niveau mode. Et aussi j'avais bossé mon CV que j'ai fait sur Photoshop. Donc ouais, un CV créatif et un portfolio, je pense que ça aide en plus. Donc Stéphanie Kunert, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 2 et co-responsable avec Isabelle Arr. Également maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 2. Et nous sommes donc co-responsables du master mode et communication et de la licence professionnelle métier de la mode. Donc le master mode et communication est un master professionnalisant qui vise à former des futurs professionnels de la communication dans le domaine de la mode, que ce soit chez l'annonceur ou en agence spécialisée dans le domaine de la mode, comprise au sens large, hein, donc ça peut être vêtements, mais aussi tout ce qui est décoration, maroquinerie, et ce qu'on appelle de manière générale le lifestyle. Et donc son lien avec l'Institut de la communication, nous sommes une des mentions de master de l'Institut de la communication. Et donc nous dépendons du département d'information et de communication. Donc la maquette du master se compose d'enseignements théoriques et d'enseignements professionnels. Les enseignements théoriques sont délivrés par des enseignants et des enseignantes-chercheurs de l'université qui visent à travers les cours de théorie de la communication, de sémiologie des médias notamment, d'histoire de la mode et d'histoire des tissus, à donner un bagage théorique aux étudiantes et aux étudiants, ainsi que des outils pour une approche réflexive et critique des futurs métiers et pratiques auxquels ils et elles se destinent. Et donc nous avons aussi des cours mutualisés avec d'autres masters comme les cours de culture visuelle ou de droit de la propriété intellectuelle. Et puis nous avons donc, comme l'expliquait Stéphanie Kunert, on a aussi des enseignements qui sont proposés par des professionnels de la mode, de la communication. Donc ils vont intervenir dans différentes disciplines comme la communication en ligne pour former plus précisément en community management ou qui vont former à l'événementiel, ce qu'on appelle aussi le e-marketing. Ou merchandising. Voilà, donc toutes ces techniques qui sont nécessaires d'apprendre lorsqu'on se destine au métier de la communication.
La communication a une place importante aux côtés de la mode dans ce master, puisque, comme on vous l'expliquait, le master forme des étudiants et des étudiantes, des professionnels dans le domaine de la communication et du marketing. Donc forcément, la communication fait partie des fondamentaux qui sont enseignés dans ce master. Et dans le cadre de ce master mode et communication, on organise avec les étudiantes et les étudiants des événements, qui peuvent être des événements à caractère plutôt culturel ou plutôt scientifique, ça dépend des années. Cette année, nous organisons un festival de films de mode. Il s'agit de réfléchir sur les liens entre l'industrie de la mode et l'industrie du cinéma. Il s'agit aussi de réfléchir à la culture, en tant que la mode et le cinéma sont des éléments très présents dans la culture, dans les cultures contemporaines. Et nous avons aussi fêté cette année les 30 ans de l'Université de la mode, qui montre que la filière mode, non seulement a un passé important, mais un avenir tout aussi important. Ce qui est assez spécifique à l'Université Lyon 2, c'est qu'au sein de cette université, on forme aux trois métiers de la mode, donc le stylisme et le modélisme dans la licence professionnelle métier de la mode et les métiers de la communication de mode au niveau du master. Alors en Master 1, il y a aussi bien des cours qui sont des fondamentaux de la mode et de la communication, comme histoire de la mode, et des cours de théorie de la communication, des cours de sémiologie de la communication, avec un terrain assez mode malgré tout. On a aussi des cours de langue, des cours d'anglais, qui eux sont des cours, on va dire, pratiquement métiers, dans le sens où en tout cas, sont pas des cours de langue, entre guillemets, classiques, ce sont des cours de langue qui vont s'emparer des problématiques mode, notamment, des environnements professionnels et des univers professionnels qui ont trait à la mode. La place des enseignements théoriques dans le Master 1 est importante. C'est aussi le moment où les étudiantes et les étudiants développent un projet de recherche sur un sujet lié au phénomène de mode. C'est important cette approche théorique parce qu'il ne s'agit pas seulement de former des futurs professionnels de la mode, il s'agit de former des personnes qui ont un regard englobant et systémique sur la mode en tant que phénomène social total, en tant que phénomène anthropologique, en tant que phénomène économique, qui traverse toutes les sociétés à toutes les époques. Le cours s'adresse vraiment aux étudiants de première année qui n'ont presque jamais fait de mode ou d'histoire de la mode. C'est un cours qui en fait couvre plusieurs siècles d'histoire et part des premières fibres textiles de la préhistoire jusqu'aux dernières innovations de mode du 21e siècle. C'est un cours qui est assez vaste et qui touche à la fois l'Occident, mais aussi d'autres contrées géographiques pour justement un petit peu montrer qu'il y a une diversité des modes. L'enjeu, c'est vraiment de montrer comment évolue la silhouette, comment se met en place un certain nombre de systèmes justement de distinction, d'imitation de la mode, comment finalement tous ces systèmes sont liés eh bien, à différents enjeux politiques, commerciaux, économiques. Le bagage culturel que ce cours peut apporter, c'est principalement un bagage général évidemment sur la mode, mais aussi sur la manière de comprendre les objets de mode. Différents types d'objets, à la fois évidemment des images, des photographies, des illustrations de mode, mais surtout des objets textiles, des objets qui viennent des musées, ou encore différents types de représentations en peinture, en sculpture. L'histoire de la mode ne s'écrit pas sur les comptes Instagram et qu'elle a une profondeur historique beaucoup plus importante. Alors pour les futurs étudiants, évidemment, je les incite à se renseigner sur ce master, voir comment ça s'organise, voir ce que font les étudiants. D'ailleurs, cette vidéo le prouve, hein, c'est une très belle initiative de pouvoir communiquer et de montrer ce qui se fait dans ce master, qu'ils ont de l'envie, de la curiosité et surtout le début d'un projet professionnel qui est lié à la mode, qui est lié aux vêtements, qui est lié au style, qui est lié à tous ces différents termes qu'on utilise pour qualifier cette envie de se distinguer par l'apparence et de se distinguer de différentes manières, bien entendu.
Alors, la communication de la mode, c'est quelque chose qui existe, je dirais, de tout temps. Mais il y a différents types de communication, et je pense que c'est important d'arriver à distinguer justement ces différents types de communication. Une communication qui peut être politique, lorsque Louis XIV se montre flamboyant en rouge, or, doré, argent, auprès de ses ambassadeurs suisses qui sont toutes noires vêtues, au XIXe siècle, évidemment, la communication va passer, par exemple, par une réorganisation de l'industrie de la mode avec l'invention de la haute couture. Montrer le vêtement par les mannequins, par le marketing, par différentes innovations en termes de consommation, le développement de la vente de la mode dans les différentes maisons de haute couture au 19e, et ça se poursuit tout au long du 20e siècle et encore aujourd'hui évidemment avec les médias de masse, avec la manière de montrer la mode à travers les défilés, à travers les comptes Instagram, les réseaux sociaux. C'est quelque chose que nous évidemment nous connaissons très bien, mais ce sont des techniques de communication qui existent depuis très longtemps et qui évidemment sont différentes en fonction des besoins, des envies des consommateurs et surtout en fonction eh bien, du vêtement qu'on est en train de vendre. Puisqu'il ne faut jamais oublier que communiquer sur la mode, c'est avant tout communiquer sur un vêtement. Je venais de décrocher ma licence. Et il était temps pour moi de me spécialiser maintenant que je savais un peu mieux vers quel milieu j'avais envie de m'orienter. Et j'avais envie de rester dans le milieu universitaire parce que les grandes écoles privées, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Donc l'université de la mode était tout indiqué. Je me souviens d'un cours pendant lequel un des professeurs était absolument scandalisé de voir qu'un élève ne connaissait pas Demna. Et on avait tous pris un air extrêmement surpris. Tu connais pas Demna. Alors qu'en fait, aucun de nous ne savait qui c'était. Et ce qui est drôle, c'est que 2 ans plus tard, je me suis retrouvée dans la maison de Demna, justement. Donc, j'ai fait l'université de la mode et 2 ans plus tard, voilà où j'en suis. Je suis assistante digitale au département communication de la maison Balenciaga à Paris. Si j'avais un conseil à donner, que ce soit pour l'université de la mode ou la mode en général, ce serait la curiosité. Je pense que c'est hyper important de s'intéresser à ce qui se passe autour et parfois ne pas hésiter à prendre la tangente sur des sujets un peu nouveaux. Pour mon stage de fin d'études, je me suis orientée vers les départements presse de maisons de mode parisiennes. J'ai postulé à beaucoup d'endroits, j'ai essuyé quelques refus, mais surtout beaucoup de non-réponses. Donc oui, la recherche de stage a été difficile, mais je sais que j'étais pas un cas isolé. Hein. On a eu du mal. Mais ça s'est quand même très bien fini pour moi, puisque Balenciaga a fini par retenir ma candidature à ma plus grande joie.